Remembrement rural, défrichement, remontées mécaniques, travaux routiers de voies ferrées, de voies navigables, installations classées, stations d'épuration, lotissements, carrières, canalisations. Au-delà d'un certain budget ou d'une superficie, les aménagements, ouvrages ou travaux sont soumis à enquête publique. Le but d'une enquête publique, c'est d'informer le public sur l'existence d'un projet qui est de nature à modifier soit leur cadre de vie, soit d'apporter un certain nombre de nuisances, soit d'apporter un certain nombre de contraintes sur l'environnement. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est expliquer qu'il existe un projet. Et le deuxième objectif, mais qui va de pair avec le précédent, c'est de faire en sorte que le public, informé de l'existence du projet, puisse s'exprimer. Afin notamment de recueillir les observations du public et d'informer la population des projets d'aménagement, un commissaire enquêteur est désigné par le tribunal administratif, autorité indépendante et donc non liée à la mise en œuvre ou non d'un projet. Sur quels critères le tribunal administratif attribue-t-il les dossiers d'enquête publique à tel ou tel commissaire enquêteur ? C'est en fonction d'un certain nombre de critères qui sont relatifs à leur capacité à gérer un dossier. On sait, parce qu'il nous l'explique, qu'un tel préfère plutôt les dossiers d'urbanisme, un autre préfère plutôt les dossiers d'installation classée, donc on ne s'amuse pas à leur donner des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. On s'efforce de choisir des gens compétents, c'est ce qui est le cas, en tout cas chez nous, on a de la chance d'avoir un réseau de commissaires enquêteurs compétents. On s'efforce de mettre de la distance géographique entre le domicile du commissaire enquêteur et le lieu où va se dérouler l'enquête publique. Alors, il n'y a pas non plus de règle, ce n'est pas au millimètre, mais il ne faut pas que le commissaire enquêteur puisse être soupçonné d'avoir un intérêt quelconque dans le dossier. Le tribunal administratif de Strasbourg ordonne environ 500 enquêtes par an. L'Alsace recense 200 commissaires enquêteurs. L'Alsace-Moselle, 345. Alors, quelles sont les missions du commissaire enquêteur ? Le rôle consiste à prendre connaissance du dossier, du dossier d'enquête, de mesurer l'ensemble des enjeux du projet, de recueillir toutes les informations du public, les observations, les propositions, les contre-propositions, de manière à permettre à l'administration de disposer de tous les éléments nécessaires pour sa prise de décision. Un tel travail ne s'improvise pas. Il nécessite rigueur, connaissance et compétence. C'est une mission de l'ADREAL que de veiller effectivement à la compétence et à l'actualisation des compétences des commissaires enquêteurs. Les commissaires enquêteurs sont des gens de la société civile qui ont accepté d'accompagner l'examen par le public des différents projets de développement de notre territoire. Donc ces personnes de la société civile sont volontaires, encore faut-il leur donner les éléments qui leur permettent de dialoguer, de recevoir les observations, voire de commenter les projets qui sont censés accompagner sur le territoire. Pourquoi est-ce qu'on veut les préserver finalement, ces zones humides ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à elles ? On sait aujourd'hui qu'il y a la moitié des oiseaux qui dépendent des zones humides et un tiers des espèces végétales remarquables et menacées qui dépendent des zones humides. Donc c'est pour vous donner une idée aussi de la valeur au niveau naturel et biodiversité. Alors ces zones humides, quel service elles nous rendent ? Alors les zones humides, elles vont contribuer au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau par leur pouvoir d'épuration naturelle. Patrick Coulon, commissaire enquêteur, a été en charge de l'enquête publique liée au plan local d'urbanisme de Mulhouse. Plusieurs aménagements sont concernés par cette enquête. La ZAC près de la gare, l'aménagement d'un périscolaire, ainsi que la construction d'un immeuble à la place de ce parking dit « sauvage ». Donc, lorsqu'on a un mandat de commissaire enquêteur délivré par le tribunal administratif, une des premières choses, après réception du dossier, c'est d'aller voir sur le terrain ce qu'il se passe. Donc la question qu'on peut se poser ici par rapport au plan d'aménagement et vu la hauteur prévue des bâtiments, c'est qu'est-ce qu'il va se passer pour ces personnes qui habitent ici autour. Il est fort probable que le bruit soit un petit peu atténué, au moins dans la nuit, mais en ce qui concerne l'ensoleillement, il est fort probable aussi qu'ils en aient beaucoup moins que ce qu'ils ont aujourd'hui.
Et il est fort probable également que la voirie qu'ils ont devant eux pour l'instant sera peut-être aussi réduite, puisque l'ensemble des voitures qui sont ici sont peut-être aussi des habitants. On sait de plus en plus, on constate qu'on a un effet qu'on appelle souvent NIMBY, qui consiste à dire on ne veut pas d'entreprise, on ne veut pas de projets dangereux pour notre santé à proximité de chez nous, même si on apprécie le développement économique qui peut l'accompagner. Et si on veut aujourd'hui accepter les principes du développement en maîtrisant les risques pour la population, c'est aussi en favorisant le dialogue concret autour des projets sur le territoire. Des temps d'échange sous forme de réunions publiques ou de permanences sont organisés. Les habitants et citoyens peuvent donc être informés et sont invités à s'exprimer. Leurs propos sont consignés de façon anonyme ou non, au choix, dans un registre qui fait partie du dossier. Alors si j'en crois le registre d'enquête, et comme il n'y a pas d'observation et que tout est vide, j'ai quand même eu 3 personnes à la première. Oui. J'en ai eu 0 à la deuxième, oui. Et j'en ai eu 2 à la troisième, dont vous. D'accord. moi, je suis un peu surpris de la manière, de la fréquentation, puisque en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Alors, soit ils ne savent pas que l'enquête publique a lieu, possible. Parce que lire les avis officiels, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui doivent le faire. Et puis l'autre chose, c'est peut-être aussi parce que vous, en amont, vous faites vos réunions de quartier, vous faites vos communications, vos concertations, etc. C'est vrai que ben, nous, on a un gros travail qui est fait puisqu'on a un service de l'action territoriale au sein de la ville de Mulhouse, mais aussi dans le cadre de tous les projets, on a vraiment une concertation préalable qui est faite. Tous les projets sont présentés, on a des réunions publiques, on a des réunions avec les conseillers de quartier, où on essaie en amont vraiment de présenter les dossiers et les projets. Donc finalement, une enquête publique telle que celle du PLU, c'est de la procédure, c'est administratif, mais c'est qu'une petite partie pour nous de la concertation qui a lieu avec les habitants. Il y a une grosse différence entre le public et... la venue du public au niveau des enquêtes publiques dans une ville que dans un village. Parce que dans un village, même si il y a eu la concertation, il y a eu de la communication avant, je ne sais pas, ils ne font pas toujours confiance à leurs élus et ils reviennent pour être sûrs que le plan correspond toujours et si leur petite maison, leur petit terrain est encore toujours inconstructible ou pas. Et c'est là que le rôle du commissaire enquêteur est effectivement important, surtout dans les petites communes. Il y a un gros travail de pédagogie à avoir avec les habitants pour qui... Ouais. La discipline de l'urbanisme est assez obscure et essayer de faire comprendre à une personne qu'effectivement, même si son terrain est desservi par les réseaux, elle n'est pas constructible parce qu'elle est en zone inondable ou parce qu'elle est dans un paysage naturel qu'il faut protéger, c'est toujours un petit peu compliqué. Et c'est vrai que ça déchaîne beaucoup de passion. Pendant les permanences, le rôle du commissaire enquêteur est d'expliquer les éléments précis des projets et leurs enjeux. D'être à l'écoute du citoyen et de noter ses observations ou revendications. Cette fois-là, une seule personne est venue. Il s'agissait d'un promoteur immobilier. Pas toujours conscient des enjeux, désabusé ou mal informé, le citoyen a pourtant un rôle important à jouer. Alors le rôle du citoyen, c'est surtout, ça devrait être surtout, de s'exprimer, de se déplacer, de rencontrer le commissaire enquêteur, de consulter le dossier, de noter des observations dans le registre d'observation qui est là pour ça et qui doit servir à améliorer les choses. Ça, c'est la première fonction d'un citoyen, d'un vrai citoyen, en fait, hein, c'est de s'exprimer. Et malheureusement, beaucoup de commissaires enquêteurs nous disent régulièrement, d'un air un peu désolé, qu'ils ne rencontrent personne, qu'ils n'ont vu personne pendant le déroulement de l'enquête publique et que donc, ils sont un petit peu ennuyés. Et surtout, ils n'ont pas trouvé dans l'expression
des observations, des critiques ou des commentaires qu'aurait pu faire le public, matière à alimenter leur propre réflexion. Après cette phase de concertation, si le commissaire enquêteur a besoin d'éléments supplémentaires, il adresse une demande de mémoire en réponse au porteur du projet, lequel dispose d'un délai de 12 jours pour lui répondre. Ensuite, le commissaire enquêteur doit rédiger un rapport suivi de conclusions. Le rapport du commissaire enquêteur comporte 3 chapitres. Le premier sur les généralités, qui porte sur l'objet de l'enquête, la nature et les caractéristiques du projet, la composition du dossier d'enquête et le cadre juridique et réglementaire de l'enquête. Le deuxième porte sur le déroulement de l'enquête, la visite des lieux, la date et les lieux de permanence, les prises de contact avec le porteur du projet, les observations du public et la demande de mémoire en réponse au porteur du projet. Le troisième volet porte sur les analyses et les observations. Le commissaire enquêteur se prononce sur ces analyses. Alors, en ce qui concerne les conclusions, donc cette partie est totalement subjective. Et c'est une partie qui se passe chez soi, découplée de tout le reste. Le dossier de Mulhouse était un dossier relativement simple, puisqu'il comportait grosso modo 7 éléments différents, et que sur ces éléments différents, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait aucune expression du public qui allait à l'encontre du projet, en fait. Donc j'ai développé mes motivations pour l'ensemble de ces 7 parties du projet, pour émettre mon avis, qui était un avis favorable. Sur les 500 enquêtes publiques réalisées en 2011 en Alsace, moins d'une dizaine d'avis défavorables ont été émis. Les avis favorables, quant à eux, peuvent être assortis de recommandations ou de réserves. Quoi qu'il en soit, les porteurs du projet n'ont pas obligation de suivre ces avis. Alors, à quoi tout cela sert-il ? Lorsqu'on dit à un maire « je suis d'accord avec votre projet, mais j'émets une, deux ou trois réserves sur le plan d'occupation des sols tel que vous l'élaborez », ça veut dire en clair, si vous ne levez pas ces réserves, c'est-à-dire si vous ne suivez pas les indications que je vous donne, eh bien mon avis devient défavorable. Alors quand un avis est défavorable, c'est un petit peu plus compliqué pour l'autorité, parce qu'il faut savoir aussi que ça facilite un certain nombre de recours contentieux. Il est évident que si un avis est formulé par un commissaire enquêteur et que l'avis est défavorable, si ensuite je suis un citoyen et que j'ai envie de faire un contentieux contre le projet en question, je trouverai dans l'analyse du commissaire enquêteur un certain nombre d'éléments qui vont me faciliter la tâche. Donc c'est un avis, c'est un travail qui est loin d'être neutre, qui est loin d'être insignifiant, qui peut avoir un impact tout à fait considérable, et je sais d'expérience, ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on suit ces dossiers-là, que beaucoup de collectivités locales sont très hésitantes lorsqu'elles sont en présence de réserves. Elles sont vraiment très ennuyées, et la plupart du temps, elles s'efforcent de satisfaire ces réserves, sachant pertinemment que dans l'hypothèse inverse, elles s'exposeraient à des recours qui pourraient être ravageurs pour elles. Donc réussir des bons dossiers en matière de développement, c'est le sens de la réforme des enquêtes publiques, c'est le sens de la réforme des réglementations qui sont imposées aux entreprises, mais c'est aussi la qualité du dialogue avec les citoyens, et c'est par les acteurs que sont les commissaires enquêteurs que nous passons.